Alors, la pose du parquet 14 mm, donc voici du 14 mm qu'on connaît, voilà, se pose sur un seul froid. Donc là, on est rez-de-chaussée sur une dalle non isolée, donc c'est un seul froid qu'on appelle froid. Il faut absolument bloquer la vapeur le plus haut possible, parce que la vapeur passe du chaud plutôt vers le froid. Et là, on a deux possibilités pour le parquet. Soit on remet ce qu'on appelle le polyane, donc une feuille PE, ou alors on veut améliorer la partie phonique, et du coup on ajoute ici une sous-couche qu'on appelle ici Nomaflore, qui fait 2 mm d'épaisseur et qui est plombante et diminue le bruit d'impact en même temps qu'on va faire un pare-vapeur. Voilà, donc c'est un produit qui se coupe très facilement, comme son nom l'indique, et qui est très lourd en fait, c'est plus lourd que le parquet, et donc va être plombant directement sur le calé au sol. Et on va pouvoir mettre directement le parquet par-dessus. Alors, bien suivre, bien sûr, ce que disent les fabricants pour la pose de parquet, c'est-à-dire mettre des cales ici qui font au moins 5 à 7 mm de large, de telle façon que quand le parquet va vivre, il puisse se dilater ou se contracter suivant les normes en vigueur pour la pose de parquet.